Et bonjour à tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois sur Besiege, jeu de construction et où il faut remplir des objectifs, de destruction généralement. La dernière fois on avait détruit tout ce qu'il y avait dans la première map, sauf les premiers niveaux que j'avais fait en off. Et là, on va du coup continuer avec la deuxième map. La deuxième map qu'on avait commencé la dernière fois avec les deux premiers niveaux. On s'est arrêté au troisième parce qu'il fallait faire obligatoirement un véhicule aérien. Et je vous avais dit, je le ferai en off le véhicule aérien pour pas perdre trop de temps. Et en effet, j'ai mis 15-20 minutes, je crois, à faire ce machin qui est dégueulasse, mais qui est largement suffisant, j'imagine, pour remplir cet objectif premier. Allez, en tant qu'aérien, quoi. J'ai regardé, il faut détruire les ballons d'observation. C'est pas très, ça devrait pas être trop difficile, surtout qu'ils ont des jumelles, ils ont pas des archers, des arcs, donc ça va. Bon, on va commencer tout de suite, hein. Je vais pas vous expliquer comment fonctionne le machin, c'est pas compliqué. Avec les flèches, je le contrôle. Alors, on va voir. Voir si je m'en souviens. Oh. Oh mon dieu. Ok. Est-ce que j'arrive à avancer là? Alors, c'est pas très stable. Ah, c'est compliqué. Ok, là je vais détruire le ballon. Allez! Oui, détruire un ballon. Ok, go, on va sur lui maintenant. Oui! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, ça va, c'est contrôlable. C'est compliqué, mais... Allez, j'en ai trouvé un troisième pour la forme, voilà. Voilà, vous voyez, ça marche nickel. Alors, la suite. Atteindre l'insigne. Ok. Ah punaise, il y a des bisons avec des bombes. Oh, j'y crois pas. Bon. Alors déjà, on va reprendre un véhicule terrestre. On va prendre un petit véhicule, tranquillement. Et on va espérer... Oh punaise, mais il me pousse dessus. Mais c'est des kamikazes. Alors attends. Ok, c'est pas grave. Mince. C'est parti. C'est pas grave. Alors juste, je sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire? Attends. Ah mais je sais, je suis trop con. Il faut détruire les... Ah oui, mais oui, bah c'est chaud. En fait, il faudrait que j'arrive à tuer les bisons avant qu'ils me tuent. C'est compliqué quand même. Mince. C'est quoi les... 2. 1, 2, 3, Y, d'accord. Ça marche pas. Si, ça y est. Ah punaise, j'ai raté. Ah punaise, j'ai raté. Yes. Attends. En fait, faut bien viser. Regarde. 1. Oh mais non, vraiment. Mais... Waouh. Mais meurs! Oh punaise! Ah non, je suis en feu! Ah, c'est pas facile! Alors, on peut peut-être essayer, j'allais dire, avec un véhicule aérien, mais bon. Ça va être compliqué. Alors. Voilà!
Alors. Mince! Ah! Mince, c'est quoi déjà? Non! Si j'arrive à... Attends. Au pire, j'essaye de tirer sur lui. Voilà. Puis après, je tire sur lui. Je vais pas essayer de... Alors, faut que j'essaye d'être bien droit par rapport à lui. Voilà, on le prend tranquillement. S'il te plaît. Ah, merci quand même. On va prendre notre temps, on va faire tout le tour. Voilà. Là, normalement, je me fais pas choper par quoi que ce soit. Et pour le dernier, on va foncer en mode kamikaze. Mais pas par là, à mon avis. On prend notre temps parce que là, j'ai pas envie de recommencer. J'avoue que c'est pas facile celui-là. Ok. Alors, on va détruire celui-là en prévention. Comme ça fait déjà un en moins qui va nous exploser dessus. Voilà. Et là, on va foncer tout droit. C'est parti! Voilà! Oh là là, la destruction qui est totale! C'était difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Détruire un transporteur de convoi. Oh mon dieu, il faut que je détruise une de ces machines volantes. Alors, vu que c'est une machine en bois. En vrai, c'est facile, regarde. On va prendre notre. On va prendre ça. Et on va rajouter. Un petit lance-flamme, un seul, histoire que ça rajoute pas trop de poids. Hop. Voilà. Et c'est Y. Ah, on recule. Eh mince, je suis en feu moi aussi. Mais c'est pas grave. Quoi? Ah non, mais dis pas qu'il faut détruire les trois. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée, ça peut être vraiment marrant. Ça sera moins dangereux qu'un lance-flamme. Enfin, ça sera moins risqué plutôt. En fait, je vais transformer ce truc en bombardier. Alors, on va mettre des pinces. Une là. Et ouais, il faut que ça soit équilibré. Le poids soit équilibré, donc on va mettre 4 et on va mettre des bombes dessous. Alors bon, faut vite que je décolle. Oh merde. Ou alors je mets des pieds, mais on va voir. Alors les pinces, faut que je puisse les activer un à un, donc clac. Attends, je vois pas. 2, 3. Mince, j'ai mis tous 1, je suis trop con. Alors lui c'est 1, 2, 3 et 4. Mince. Ok, parfait. Alors j'ai trouvé ça comme technique pour les valider les machins, c'est bizarre. Je sais pas comment ça marche. Voilà. Alors, il faut vite que je décolle. Attention. Oh! Ah non, je suis trop lourd maintenant. Ah, je suis trop lourd. Ah ouais, c'est... Alors, soit je rajoute des ballons, soit je rajoute des hélices. On va rajouter des ballons. Les ballons, il y a de la place. Les hélices, il n'y en a pas vraiment.
Voilà. Espérons que ça suffise. Sinon, il va falloir que je rajoute je sais pas quoi. Oh, c'est bon. C'est suffisant. Je crois même que j'ai gagné en stabilité. Allez, on va aller au-dessus. Oh non. Oh putain. Waouh, c'est dur. Oh que c'est dur. On va dézoomer, histoire que j'ai peut-être une meilleure vue. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va essayer d'aller bien au-dessus en vrai, parce que genre, comment dire, c'est dangereux quoi. Alors par contre, je vois pas bien. Ah, on va mettre cette vue. C'est la vue du bombardier. Go. Non, merde. J'étais trop près. Alors je... D'accord. Ouf. Alors d'abord je vais vérifier si c'est bon. Oui c'est bon. C'est bon, ça largue bien comme il faut. En fait j'étais trop proche. Allez attention, on largue le 2. Oh merde, j'ai raté. Oh non, le déséquilibre est total. Oh merde. Ok, on largue le 1. Oui. Ouais, mais c'est mort, on est... Ah non, mais non, j'en ai 4, c'est vrai. Attention. C'est vrai que j'avais un truc en rab. Attention, on largue le 3. Oui. Oh là là, mais ce bombardier qui est instable de ouf. Oh mon dieu. On se suicide sur le dernier. Mais putain. Oh mon dieu. Oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai perdu des ballons. Mais punaise, je vais réussir à aller au-dessus de lui ou pas? On largue le 4. Oh non. J'étais pas du tout au-dessus. Oh non. Oh. Sniff. Ah, je vais mettre la caméra encore plus en mode bombardier. Mais après, je vois pas du tout si je suis bien au-dessus ou pas. Oula. En tout cas, je vois pas si je suis très haut ou quoi. On largue le 2. Parfait. On progresse. Attention au déséquilibre. Ouh là là, le déséquilibre est vraiment total là. On largue le 1. Ah, on remonte. Ouf, c'est bon. Oh non, je crame. Ah non, je crame pas, putain, je croyais que je cramais. La perspective, je croyais que je cramais, quoi. Ok. Attention. Remonte, on est trop près, je crois. Le 4. Oui. Encore un. Ah, mais il faut détruire 4, en fait. Le 3. Oui. Oh là là, ce bombardier quoi. Oh, c'était dur là hein. Punaise. Oh mon dieu. Vous pouvez pas réussir avec le lance-flamme hein. Ça c'est clair. Oh, il y a le Cucus clan là. Merde, je peux pas lui dire ça. Je vais me faire ban. Voler et apporter le cristal. Pardon. Ah merde. Mais ça va être trop lourd. Comment je vais faire? Alors, ben déjà. On va. Ouais. En fait, j'ai peur que ça soit vraiment trop lourd. Ça va être trop lourd. Oh merde. Les oiseaux qui m'attaquent.
Faut que je le fasse tomber de ce côté, ça pourrait m'aider. Oh mon dieu. Ah ouais, mais du coup, comment je fais pour le récupérer? Ok. Oh là là, mais c'est incroyable. Ok, bah c'est très bien. Fauché 90% des récoltes. Bah ok. On va prendre le petit. Et à l'avant, on va changer un peu. On va améliorer tout ça. On va mettre un pare-buffle. Super. Mais pourquoi? Ah voilà. Parfait. Ah merde, il veut quoi lui? Il y a des paysans qui veulent ma peau. Aïe! Ils ont détruit une roue! Ils font mal! Ah, j'ai tout détruit! Oh non, mais c'est chaud! En fait, il m'attaque! Alors, par bulle, on s'en fout, c'est de la merde! On va mettre des armes à la place! Voilà. Ici on va mettre des protections. Mince. Voilà, on se protège un peu partout. C'est parti. Ah oui, attends. On va peut-être pouvoir mettre ça aussi. Ah, on peut pas. Comme ça, même si les roues sont détruites, ça va continuer à tourner en mode Beyblade. C'est parfait. Voilà, là vous mourrez. Voilà. Là, ça marche bien, là. Ah, c'est mieux, là. Tiens, allez-y, allez sur mes pics. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Putain, elles font mal, leur faux, là. Allez, j'ai gagné. Putain, ils meurent pas, les paysans. Ok, bah c'est parfait, on a gagné, c'est ce qui compte. Alors détruire 90% du village. Ah ouais, d'accord, c'est dur ça. On va voir ce que ça donne avec ce véhicule en vrai. Ah oui, d'accord. Ah, ok, c'est bon. Oh, il y a des pièces. Il y a des pièces dans les pots. On est où, là, dans Zelda? Alors, je sais pas si ça va suffire. Oh, punaise, je détruis mon avant, quoi. Il y a un ballon là.
Avec 90% c'est beaucoup quand même, ça va être compliqué là. Là je vois plus rien. Ah mince. Haha. Ah, la caméra qui suit plus rien là. On va prendre celui-là. Alors les canons. Vous allez faire ce que je vous dis. Voilà. Alors. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il est pas très stable. Ok. Là, il va être un peu plus stable quand même. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça devrait le faire là, non? Pas besoin de le blender. Alors, c'est quoi déjà la suspension? Ok. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. On va détruire les trucs en hauteur en priorité parce que je me dis, avec un peu de malchance, je pourrai plus après. Alors. J'arrive pas à me mettre droit. Voilà. Kaboum. Allez, on continue. Pourquoi je penche vers la droite? Il y a un truc qui s'est cassé là? Non. Putain, il est pas stable. Ouh là là. Putain, au revoir le bison. Alors, on va détruire cette maison. Alors là, il n'y a pas besoin de bien viser. Voilà, c'est parti, on continue. Oh là là, il fait. Alors, ce serait bien que je puisse détruire la montgolfière aussi. Voilà! N'importe quoi. Le moulin. Je vois rien. Voilà. À dégager. Putain, mais 90% c'est compliqué. J'ai tout détruit là. J'ai tout détruit là! C'est quoi ce bordel? Ah putain, les animaux ça compte un peu? Mais. Ah oui, punaise, les pots ça compte beaucoup! Il reste pas des pots à détruire là? Putain, mais quand ils disent 90%, c'est quand même assez n'importe quoi là! Là, il reste ça à détruire. Oh, voilà. Ah ouais, faut vraiment tout détruire. C'est le véhicule parfait. C'est pas grave. Alors, détruisez toutes les tentes. Sachant qu'il y a plein de chevaliers. Oh là là. Il y a trois tentes. En haut là. Déjà, on va sauvegarder ce truc. Et on va prendre le gros. On va voir ce que ça donne.
je suis blindé face à leur hache ou... Il y a moyen. Oh oui. Allez la tente, crame. Non, la tente crame pas. Non. 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 Pour de vrai. Oh la roue. Non. Ça aurait été trop magnifique. Alors ce qu'on peut faire... Non, je sais pas trop. Non, on va refaire en vrai. J'ai l'impression que les mecs à l'âge peuvent vraiment rien me faire. Ça serait bien que des soldats soient envoyés... Ah punaise, j'ai complètement tout défoncé là. Voilà la tente qui crame. C'est la fin. Enfin, j'espère. Il y a intérêt quand même. Ah voilà. Parfait ce véhicule. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Détruire 80% des monuments. Sachant qu'il y a des tornades. 80% des monuments. Il y en a combien? Il y en a quand même pas mal. Ouf, avec ce véhicule ça passe. Qu'est-ce qu'elle va me faire la tornade? Oh punaise, elle avance. Elle a pas intérêt d'aller vers moi, hein. C'est de la triche sinon. Une tornade c'est pas vivant. Oula, calme-toi. Ouais mais what the fuck. C'est exagéré là. Ok. Bon, je pense que lui, il faut que je tire. Oh, j'en ai détruit derrière. Ok. On va y aller mollo parce que la tornade, elle nous balance super haut là. C'est nimpe. Ok, on y va. Vite. Tourne. Fonce. Oh. C'était serré, hein. C'était marrant. C'était serré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? What? Me dis pas qu'il faut faire tourner ça. Me dis pas qu'il faut faire tourner ça, quoi. Genre, je fais comment? Je le grabe et... Attends. Alors là. Ah c'est vrai qu'il y a ma grue. Parfait la grue. Oh. Oh. C'est trop dur. Oh non, j'ai cassé mon bras! Oh non, mais c'est impossible du coup. Sans mon bras, c'est impossible. En fait, faudrait que j'arrive à le grab. Ce serait le top. Ah, mais non! Ah punaise. Oh pire. Ah oh, c'est horrible.
C'est la pire mission du jeu, là. Vous foutez de ma gueule. Mais... Oh, punaise. Oh mon dieu. Mais c'est la pire mission. Mais va pas de ce côté. Oh mon dieu. Mais c'est la pire mission, c'est quoi ce bordel? Quel est le développeur qui a eu l'idée de faire ça, quoi? Mais punaise! C'est... Oh, tu sais quoi? Regarde. Regarde. On va faire mieux. Ça, tu dégages. On va mettre le grappe là. On va abandonner l'idée de la grue, tu vois. Ouais. Oh. Ouais. Ah. Non, dégage. Mais... J'ai un peu keblo mon bras là. Comment je vais faire? J'ai peut-être une idée, ça serait fou. Genre, est-ce que... Y'a pas quelque chose qui existe, genre des propulseurs. Ah mais attends. Non. Est-ce que... Waouh. Mais dans quel pétrin je suis là? Putain, si j'avais su, j'aurais joué à Tabs. C'est pas le bon sens là. Oh là 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 là. Attends. On va faire mon idée. Genre, je me suis dit. Y'a pas moyen de propulser. Alors j'accroche le bras, je le casse. Et là j'active. Oh! Oh ce génie! Incroyable, ça a fonctionné. Oh là là. Oh mon dieu, la strat. Il s'attendait tellement pas à ça, le jeu. Empoisonner le puits. Pardon. Ah, oui, d'accord. D'accord. Bah, en fait, il est... un peu trop, le machin. Mais grosso modo... on a compris le principe, quoi. Hein. Genre. On va mettre du grab. Voilà. Ah, mais c'est pas assez haut, là. Oh, dégage, toi, les trucs, là, on s'en fout. On va mettre un bras, là. Voilà. C'est quoi? Oula. On met le grab.
Pour éviter que le machin penche en avant, je vais rajouter des blocs là. Je vais mettre des blocs à ras. Ouais, quoique. Ouais, c'est bon. Ouais, bref. On va voir si ça marche déjà, ça, comme ça. Hop, on avance tranquille. Hop, on accroche le poison. On fonce. Non, mon bras! Ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de casser? Ah, on peut casser ça. Ok. 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 Bah écoute. On va prendre la grue standard. Si j'arrive à... Ah, oh, c'est bon. On y va. On dirait que c'est une béquille le machin. On va essayer de casser... Ah! On va essayer de pas casser le bras. Oh, punaise. Attends, je vais essayer de me mettre droit. La caméra sera peut-être mieux pour ça. Oh, punaise. Ok. Attention. Oh! 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 Et voilà. Et on lâche avec V. Ouais, j'ai empoisonné le puits. Mince, je suis keblo. Ok, c'est bon. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah non, faut en mettre deux! Oh, c'est pas fini. Putain, heureusement que j'ai pas cassé le bras. Ah, les bâtards, ils veulent qu'on en mette deux, histoire d'être sûr qu'au cas où tu l'aies cassé, ton machin. Ah, mais la caméra, franchement... Voilà, c'est bon, on y va. Hop, on tourne la caméra, on se met bien. Ah. Ah, c'est dur. Oh punaise, c'est vraiment dur. Oui, oui. Et voilà, on empoisonne le puits, on est méchant. Super, c'est super. Quoi ? Détruire 90% des canons, sachant que les canons en question me pointent. Bonjour. Mais ça c'est des satanés canons, c'est les canons du sultan Mehmet. Sérieux ? Alors, on va prendre notre boîte et on tire direct. Oh punaise, mais c'est des bombardes. Oh, j'ai survécu. Vu que c'est de la... Ah mais c'est de la mitraille qu'ils ont tiré, c'est pas des boulets, bah c'est bon. Regardez ça, ma boîte elle a survécu sans aucun problème, je pensais que c'était des satanés boulets ce qu'ils allaient m'envoyer. Pas du tout. Pas du tout. Allez, je les détruis tous même, voilà. Allez, vous m'avez fait qu'une petite blessure. Oh là là, c'était la facilité finalement. Putain, le contraste entre deux levels parfois. Éteindre la flamme sacrée. Ah, on a les bombes à eau, je crois, un truc comme ça, non? Enfin, pas les bombes à eau, mais... canon à eau. Et on va se la jouer pompier. C'est marrant. On va prendre notre machine volante de merde. Et on va mettre... Et on va mettre... les canons à eau. Ah, mince. Faut pas les orienter vers le bas. Ah mince. Ah si, là, comme ça. On va y mettre pareil des deux côtés histoire d'équilibrer le poids. Et ça sera Y. Ok, ça me va. Oh merde, c'est trop lourd. Putain, mais c'est toujours. Ah. Toujours la même chose. Comment je fais? Faut que je rajoute des ballons. Ah, ou alors ce que je fais, c'est que. J'en mets qu'un seul. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre 3 millions. Voilà, pas besoin de mettre de ballon. Ah, quoique. Oula, quoique. Wouah, on y va lentement mais sûrement là. On est trop lourd. Mais pourquoi on part vers la gauche? Allô?
Ah mince, je crame. Oh, j'ai réussi à éteindre le feu. Incroyable, ce pompier qui s'est suicidé pour éteindre le feu, mais ça ne fait aucun sens, alors que j'ai cramé moi-même. Incroyable. N'importe quoi. Soulever et voler. Non mais attends, mais tu me prends pour qui là? Pour Arthur? Ça va être compliqué là quand même. Alors déjà on va d'ores et déjà rajouter des ballons, parce que là, pour le coup, je pense que ça sera un peu lourd. Et on va rajouter un grab. Alors le top, c'est peut-être le mettre au milieu, mais... Malheureusement, il y a déjà quelque chose. Ouais, mais c'est pour descendre, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Alors... Allez, on accélère. Alors là, on est quand même assez léger. Surtout qu'on a rajouté des ballons. On va essayer de graber bien comme il faut. Ah! Oh non! Je passe à côté. Oui! On vole! Oh non, mais jamais. Oh si! Attends. Mais non. Mais c'est quoi cette épée ultra légère? Attends, mais il y en a plusieurs. Non, c'est que celle-là qu'il faut... Mais on vole où? Je comprends pas. Mais... Je comprends pas, faut faire quoi? Faut que je fasse quoi avec? Je tue les oiseaux avec. Oh, j'ai cassé les trucs. Ah! Lâchez tout! Oh, comment on se remet droit? Oh là 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 là, mais... Incroyable. Mais je comprends pas, j'ai volé avec, il faut que je... Ah mince, fallait que je l'emmène là-bas! J'avais pas vu. Oh non, je crois que j'ai perdu des ballons, je suis déséquilibré là. Oh non, j'ai perdu des ballons. Ah non, mais il fallait me le dire. Il y a marqué prendre l'épée et voler. Allô. Oh merde, et voilà. C'est bon. Non, c'est pas bon. Oui, on vole, on vole, on vole. On tourne. Allez. Allez. Voilà. Pas compliqué quand même. Putain, je pensais pas que cette épée était aussi légère. Prendre le savoir du duc. Pardon? C'est-à-dire quoi ça? Comment ça le savoir du duc? Ça veut rien dire. Ils veulent que je prenne ce gros machin et que je le mette là, c'est ça? C'est ça le savoir? C'est un cambriolage. C'est un coffre. Faut que j'enlève le dessus. Ah oui, punaise, c'est ça. Oh, c'est quoi ce jeu? Ah mais ma pince, elle est pas assez vers le bas là. Ça va être compliqué. Eh oui. Et ouais, ouais. Donc, c'est pas grave. On va mettre... On va mettre un piston. Et après, on met la pince. Voilà. C'est incroyable. Ok, on le dégage. Ok. Ok, je l'ai pris. On prend le savoir et on se barre. Oh là là là, je maîtrise mon machin violent maintenant. C'est fou. Hop, on va cliquer sur la zone suivante.
Le cœur vénéré. Oui, ça me dit pas ce qu'il faut que je fasse. Attends. Il y a des boutons là. D'accord. Oula. Faut que j'aille aux deux trucs en même temps, c'est ça? Ah non, ah si. C'est pas grave. C'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. Ok, faut que je fasse quoi? D'accord. D'accord, d'accord. Ça va être compliqué là. Je sais pas exactement ce qu'il faut faire avec le cœur une fois que c'est ouvert. Mais en tout cas, il faut mettre des machins là. Donc. Alors, pince. Hop. Oula. Alors, on va lâcher le 2. Ok, c'est bon. Hop, on va lâcher le 1. Alors, on se tourne comme il faut. Il faut que je fasse quoi là? Oh! Je l'ai éclaté comme un ballon! Oh mon dieu! Zone suivante. Voler le grand éclat et emmener le là. Alors s'il est léger comme l'épée, franchement, faudrait pas être un problème. On va voir hein, ce que ça donne. Pinaise, mais... Allez, on va mettre le grab bien au milieu cette fois-ci. Finalement il y aura on va beaucoup l'utiliser cette machine volante avec les ballons sur les côtés en supplémentaire. J'ai l'impression qu'il est encore plus stable. Oula 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 oula. Mais il y a un champ magnétique de malade là, j'arrive pas à approcher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah c'est bon, on va grab. Ou pas. Mais je peux pas le grab. Attends, non, si je peux, je pense juste que... Ah si, c'est bon. Je l'ai grab. On se tire. Oh là là, mais... Oula, 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 oula. Ah mais il est attiré par le... Oh, c'est compliqué, hein. J'ai pas la puissance pour le dégager de là.
Oh mon Dieu! Ouh, c'est dur! Oh. Ah non. Mais. Oh, y'a un ballon qui a éclaté! Ah putain, mais je sais pas du tout. J'arrive pas à me tourner. Oh, le machin, il est vraiment trop. Ah oui. Oh! Non, mais incroyable. Oh, c'était difficile. C'était difficile, ça, pour le coup. C'est quoi la suite encore? Oh là là, mais on est encore. On est dans la série Dragon, là. Détruire tout. Comment ça, détruire tout? Non, mais comment ça, détruire tout? Mais comment je suis censé faire? Il y a des trucs en l'air, il y a des trucs en bas. Il y a une grosse tour. Non, mais. Ils sont malades! Après, j'imagine que ça, c'est compté comme déjà détruit. Genre, en fait, il faut. Détruire. Est-ce que je peux enlever les machins là? Je sais pas du tout. Peut-être. Genre si j'enlève les trois, boum. Ça. Non, je suis pas sûr quand même. Mais quand ils disent détruire, ça compte pas les soldats, on est bien d'accord. Genre on s'en fout. Faut que je détruise ça, ça et ça. Mais ça va être dur. Oh punaise! Qu'est-ce qu'ils me font faire? On va essayer, mais. En espérant que les soldats ne comptent pas. Donc on va refaire le machin comme ça. Alors, grab. Bombe numéro 1, numéro 2, numéro 4, numéro 3. Voilà. Hop, on met les bombes. S'il veut bien. Ils ont juste des haches. Ok, ça devrait le faire. En espérant que les machines volantes vont pas tourner parce qu'ils ont des canons, je vois. Donc, s'ils se mettent à tourner vers moi. Non, ça va. Alors, on va se mettre en vue bombardier. Alors, il veut pas avancer de machin? Merci. Faut que je monte plus haut là. Ok, numéro 2. Ok. Oh là là, il est tellement instable avec les bombes à chaque fois. Ah punaise, les oiseaux ça compte. Punaise, mais. Ah, mais j'en ai marre de cette caméra qui fait nimp. T'as cet avion qui est juste instable. L'avion qui est complètement instable là. Mais allez, avance, genre. Ok, numéro 1. Oh. Oh, ça va le faire. Oh, quoi? Sérieux? Mais j'ai même pas détruit la tour au milieu. Non, mais attends, on va détruire la tour pour le bonus. On va détruire la tour, faut pas déconner. C'est trop facile au final, vous vous foutez de moi. Je pensais que ça allait être super difficile. Allez, go, on va se suicider sur la tour. Oh, je me suis accroché à la tour. Ok, numéro 3. Ok, numéro 4. Oh, c'est décevant. Bon. Bon, on a fini. Et c'était la dernière de cette île.
Ok, c'était assez intéressant. Beaucoup plus difficile que la première. La première, ça allait. Franchement, c'était tuto. La deuxième, c'était pas la même chose, par contre. Bon. La troisième île, du coup. Je pense qu'on commencera pour la prochaine fois. On la fera la prochaine fois. Je pense on va faire une île par live, hein, à ce rythme. On va faire ça, hein. Une par live. Hein. On va voir ce que ça sera la première épreuve d'abord, au moins. Alors attendez. Ok, alors voyons voir, qu'est-ce que ça sera? Bah, il faut tout simplement aller ici, quoi. Ah, mais il y a du vent et tout, ouais, d'accord. En vrai, ça va être marrant. On va voir. Écoutez, on commencera ici pour la prochaine fois. Du coup, c'est la fin du live. Voilà, il est 15h10, tranquille. Hop, ouais, c'est bon. Du coup, je vous dis à la prochaine sur Besiege. Prochain live, ce sera peut-être pas Besiege quand même. On l'a fait deux fois d'affilée, on va faire autre chose la prochaine fois quand même. Mais en tout cas, la prochaine fois, on fera cette île. Et du coup, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.